mon nèg a volé, il y a la corruption. Moi même dans les biens, moi pas t'as aucun nèg sous la terre. Moi t'as deux nèg sous la terre, prends ça mon d'abri. Moi t'as deux moun sous la terre. Moi t'as avec Jésus-Christ dans le ciel et Ariel Henry. Et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'opéra de la vidéo ça. Et j'aime toujours dire que c'est toujours un plaisir pour moi pour venir partager ensemble avec vous tout ce qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. Pour ne pas rater aucune vidéo, c'est profiter d'abonner Kounia la même sous pour trouver ça. Et pas oublier d'activer la cloche de notification pour capable recevoir une notification de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Déjà, nous disons merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même qui peut faire ça Kounia la même. Parce que nous sommes intelligents, ou pas oublier de perdre la prochaine vidéo. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Mon nèg a volé, il y a une corruption. Moi même dans les biens, je ne vais pas être aucun nèg sous la terre. Moi t'as deux nèg sous la terre, prends ça mon d'abri. Moi t'as deux moun sous la terre. Moi t'as avec Jésus-Christ dans le ciel et Ariel Henry. Le principe du contradictoire, je pense que je prends des motifs pour me dehors, alors que je n'ai pas été interrogé sur ces questions, sur ces motifs. Donc, le menu des questions qui t'a adressé à moi-même, motif sur pas la donne. Motif, je dis que vous êtes mexicain, ce n'est pas vrai. J'ai exécuté un arrêté pris en conseil des ministres. D'accord? Donc, un arrêté pris en conseil des ministres devient une loi. Mathieu me dit ça, une loi, vous pouvez regarder sous carré, puis dire pas loi liée. Son loi, il pas une loi, il pas une loi stricte au sens. Au sens strict, tu tiens une bonne loi, mais il faut l'exécuter. Son autorité judiciaire pour exécuter. Donc son loi liée. D'accord? Et la loi dit, article 18 de CICA, c'est commissaire gouvernement qui organe d'exécution des lois. D'accord? Et des décisions de justice. D'accord? Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci, pas démissionner, monsieur. Merci, pas démissionner encore. Merci, allez. Parce que ma casa, il s'est mis en forme. Je vais vous manger, pour m'habiller, pour vivre. Vous mangez matin, ma petite moine. Vous d'accord avec moi? Et si mes ménages vont me brasser tout. On n'a pas dit pas ménage, on va dire pas ménage. Donc maintenant, si vous n'avez pas de travail, je ne vais pas tout couille, couille, je vais vous mettre. CSPJ pas carré faux comme maïsla. CSPJ, le CSPJ n'a pour mission de vous faire des recommandations. Ça veut dire ça. Si CSPJ estime qu'un juge a un comportement qui pose problème, mais le CSPJ a acheminé recommandations par autorité hiérarchique, jugeant bien commissaire gouvernement. Et dans le cadre du dossier du commissaire Lafontaine, et que nous avons toute solidarité de Bali, nous avons dit que nous-mêmes, comme candidats, parce que nous-mêmes, moi-même comme avocat, nous sommes dans l'élection pour représenter les droits humains dans le CSPJ. Parce que là, j'ai intérêt de dire le mot du droit et de m'assurer que cette structure qui joue un rôle disciplinaire
doit être au-dessus de tout soupçon. C'est très important. Et pas pour nous bagailler, pour nous dire qu'est-ce qu'on a là-dedans. Voilà. Parce que nous avons une sale notoriété, nous avons une sale intégrité. Maintenant, justice nous-mêmes que nous apprenons à un niveau cadeau, advocatus, parce que nous voulons que son justice soit efficace, une justice qui est forte, une justice qui est indépendante, une justice côté tout acteur, sorti de huissier jusqu'à magistrat, qui est supposé au-dessus de tout soupçon. Et grand pile juge vraiment qui fait des ordres. Grand pile greffier, grand pile commissaire gouvernement qui fait des ordres. Il y a deux dossiers de terre qui ont comme avocat. L'OMN enquête qui est souhaité derrière son commissaire. Qui est souhaité derrière son juge. Qui est souhaité faire au papier son greffier. C'est très important. Je me félicite et m'encourager CSPJ dans le travail ça. Comme organe disciplinaire. Comme organe de recommandation. Mais cependant, écoutez, je ne parle pas que les rapports du CSPJ lui a préparé à des faits de machination politique. Pour persécuter tout le monde, pour voir monter. Maintenant, moi-même, le plus gros problème que j'ai comme avocat avec la loi du CSPJ, c'est l'article 26. Parce que l'article 26 dit, pour moun ne faire recours, il faut le faire par devant même moun qui t'a écrit le rapport là. C'est-à-dire, même moun qui prend section contre toi, c'est-à-dire, même moun ça, ou qu'elle fait recours devant. Ce qui est inacceptable, c'est un non-sens. Parce que comme avocat, il dit, on recourt. Il suppose être fait par un nouveau degré de juridiction. C'est-à-dire son nouvelle équipe du bout d'un d'elle. C'est-à-dire, soit elle fait recours par devant mes mounons, ça viole le principe de l'égalité des hommes dans ce procès. Et surtout, on a parlé de procès équitable, procès qu'on respecte l'état de droit, qu'on respecte toute garantie judiciaire. Parce que écoutez, si effectivement nous voulons faire un système qui est solide, il faut commencer par prendre des sanctions. Et moi, je dis, c'est le juge qui serait écarté. Qui serait écarté bénéficie de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, puis quand nous pensons le fait que c'était ces méthodes de écarté, ils ont un coup par automatique. Non, ils ont un droit de recours qui malheureusement est pour le mal fait parce que l'article 26 dit c'est même mon conseil. Et de deux, garantie judiciaire que déclaration universelle doit nous prôner, c'est-à-dire, ça est la présomption d'innocence. Maintenant, grand pile justice qui est victime, c'est vrai. Grand pile monde qui part à travail, c'est vrai. Grand pile monde qui perd du bio, c'est vrai. Le CSPJ fait un travail colossal, c'est vrai. Mais cependant, il faut que le CSPJ fait un travail de manière technique, de manière scientifique, pour éviter que personne ne soit lésé, pour éviter que personne ne soit victime. Parce que dans l'état de droit, on a prôné, dans la justice qu'on voulait, dans la justice efficace qu'on voulait, il faut que tout le monde prenne. Et là, je parle d'efficacité de justice. Moi, je question commissaire gouvernement. Les commissaires du gouvernement ne devraient être l'objet des autres ou bien de la bonne volonté des ministres. Parce que ça qui rend justice à faible tout, c'est que les commissaires du gouvernement dépendent de la bonne volonté du ministre de la justice. Ou regardez malheureusement le commissaire Lafontaine qui dit ancien ministre en relève dit la guette. Attention, si seulement les commissaires du gouvernement étaient dotés de mandat, vous en dites non, ministre ne peut pas carrément passer le contrat. Ça vient faire que le commissaire gouvernement n'est pas grand monde technique. Ça vient faire que le commissaire gouvernement n'est pas indépendant. Parce que si le commissaire gouvernement n'est pas allé dans le sens ministre va évoquer ce qui affaiblit notre travail judiciaire. Donc nous-mêmes au niveau cadeau, nous-mêmes au niveau cabinet advocatus, la bataille que nous menons pour une justice forte et efficace, elle doit commencer par l'assainissement au sein même de la justice. Vous savez, nous retirer des déchets, retirer des gangs, retirer des vagabonds. Nous connaissons que le judo dans des autres. Nous connaissons les commissaires gouvernement dans des autres. Nous connaissons les huissiers dans des autres. Mais cependant, il ne faut pas généraliser car on s'en trouve bon monde dans le système. Mais il faut que CSPJ prenne seul et prenne tel pour travailler l'affaire, pas politiser, pour travailler l'affaire, pas vivre une situation côté que nous avons une intention, nous avons caché d'être avec la fête pour porter la tête. Alors, donc, nous sommes que moi, quoi, je travaille là. Mais cependant, il faut faire avec parité et équité. Il y a un avocat qui dit que pas de recours, moi, dit que recours. Non. Moi, je dis que l'article 26 de la loi créant le CSPJ pose problème à ces gens. Parce que l'article 26 dit le commissaire du gouvernement, bon, pas de précision, le commissaire du gouvernement travaille pour le compte du gouvernement. Le commissaire du gouvernement n'est pas assujetti au CSPJ. Comme ils sont magistrats, puisque ministre, alors CSPJ l'a travaillé sous comportement magistrat dans le système, non? Elle dit qu'ils ont droit de recommandation. Mais révocation, ce n'est pas CSP qui a fait. Elle dit que c'est, il y a la cheminée recommandation par MGSP.
ministre de la Justice, qui lui-même prend prendre telle décision que de droit. Mais en fait, recours, Languil, mais le recours, et cette question de recours pose problème. Parce qu'on ne peut exercer un recours par devant les mêmes autorités qui ont rendu la décision. Est-ce que le ministère de la Justice a décidé autrement de sa CSPJ dit là? Bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Non, c'est volonté, on a volonté, on a autorité. Si on estime que CSPJ va menti, il y a maintenu et commissaire. Si on estime que le rapport fait froid, le rapport dit vrai, il y a prévoqué. Mais pour un juge d'où, si on voit que 5, 6, 7, 8 juges et dans une situation douteuse, il y a acheminé le rapport là-bas pour le ministre, parce que pas un président. C'est le président qui devrait nommer le juge, il n'y a pas de président. Mais non, malheureusement, c'est Ariel qui le fait. Et Ariel, en déficit de légitimité, ou après que nomination par le problème. Ou qu'a attaqué, nomination par devant le tribunal administratif. C'est Ariel qui va le décider ou bien ministère? Ariel qui va le décider. Non, pour les juges, okay. C'est Ariel. Okay. Pour les commissaires du gouvernement, c'est Emily Prophète. Est-ce que vous voyez là? Mais puisque c'est magistrat de magistrat assis, le CSPJ disposant de pouvoir disciplinaire, il a le pouvoir sur tout le monde. De pour ces magistrats, de pour un statut de magistrat ou assujetti à enquête. CSPJ a. Mais en termes de révocation, le CSPJ ne peut révoquer. Le CSPJ peut faire des recommandations, etc., des dénonciations, mais le pouvoir de révocation revient aux autorités de tutelle des différents magistrats. Donc, nous sommes pensés que la bataille CSPJ a fait son bataille louable et demander aux autorités pour accompagner parce que vous commencez à recevoir des menaces, c'est très important. Mais cependant, fort, il n'y a pas utilisé ce travail-là parce que même comme futur monde qui va le représenter droit monde dans le CSPJ, nous voulons que nous faisons un travail technique, un travail scientifique, pour que toute population satisfaite, pour que tout le monde qui est victime soit satisfait, parce que pile malaise et malaise qui fait du terre, grand pile qui n'a pas de vagabondage, et fort il retire des déchets sur notre monde. Merci beaucoup. D'accord, merci. Et voilà, c'est là que nous avons pensé à la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pas oublier abonner avec la chaîne là, c'est pour que vous fassiez ça. Et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur la chaîne. Et pas oublier like la vidéo pour pouvoir toujours recommander la vidéo. Merci, nous vous croiser dans la prochaine vidéo. Ciao!